Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Oxygène Not Included. Nous sommes toujours à la recherche d'obsidienne pour continuer d'obsidienne toujours pour continuer à produire plus d'objets nécessaires à l'évolution correcte de nos amis. Ce qui est bien plus compliqué que prévu, je peux vous le dire. Ça y est, il a pu la construire. Donc celle-là. Voilà, on va commencer par tous les faire déstresser un à un. Peut-être commencer par Mip d'abord. Qui est pas en forme du tout. D'ailleurs, Mip, j'aimerais que t'ailles. Directement le faire. Ah, il veut pas, hein. Bon, on va bien voir comment ça fonctionne. Là, au niveau d'en haut, l'oxygène, ça passe toujours, c'est parfait. Oula, tu vas jusque là plutôt que d'aller jusque là-bas? Pourquoi pas? Oh! T'arrêtes de tout casser, Simone? Ok, y'a personne qui recherche, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut attendre qu'ils aillent se coucher pour... Oh là 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 là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Arrête d'en construire tout le temps de la bouffe. Va faire d'autres choses pour l'instant. Ok, bon. Ça a pu un peu du cul cette histoire. Donc apparemment en termes d'oxygène, par contre on est complètement full. Le niveau d'eau a baissé. Non. Non, le niveau d'eau n'a pas baissé. Oh putain. Je vais voir vite fait le rush. On regarde. Non, ça c'est le truc actuel. Donc c'est pas bon de l'avoir lancé, Marcus, c'est débile. Crac, crac, crac. Le niveau d'eau a baissé. Il a baissé d'une ligne complète. Donc c'est toujours pas une solution viable sur le long terme. Où est-ce que je suis? Ici. What? C'est-à-dire que l'eau apparemment arrivait là au départ. Il y a un épisode. Et là, elle n'y arrive plus. Donc ça pue royalement du cul, parce que je sais pas comment je vais pouvoir faire de l'oxygène supplémentaire en fait. Comment je suis censé survivre aussi longtemps si j'ai plus d'oxygène? Voilà, donc il va se faire masser. Donc ça c'est très très cool. Mip. Mip, mip, mip. Qui était à 93% de masse de stress. A déjà arrêté. A déjà arrêté. Donc mip. Mip, mip, mip. Comment je peux faire pour qu'il déstresse? Le stress, c'est avec le décor, c'est ça? D'accord. Les zones de stress, ça se voit ou pas? C'est vrai qu'elle pue un peu du cul les zones de stress. Hein. Allez, vas-y, va te faire masser, ça tombe bien, voilà. Je sais pas si ça fait vraiment de l'effet, regardez, ça descend pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai de la... Contaminated water? What? Y'en a un qui a pissé partout?
Est-ce que ça marche, mon cher Mip? Oh putain, c'est lent. Ils disent rapidly, mais c'est lent en fait. C'est super méga lent. Faut vraiment que je mette des plantes, des trucs autour. Hein. Eh, j'ai pas de. Ah. Ok. Voilà. Crac. Démerdez-vous. Putain, le stress a réaugmenté. Déconstruct. On va mettre une deuxième table. Ici. Non, pas ici, justement. Si, ici. Allez, hop, tant pis. Crac. Donc là, il va dormir en massage. Carrément. Ok. C'est cool. Ça résout aucun de mes problèmes. Hein, c'est-à-dire qu'actuellement, l'oxygène me pompe toute ma flotte. Alors, ça, très bien, mais... Ok, donc faut qu'on... Apparemment c'est pas fini au niveau des trucs. Ici, non, mais on reste deux à faire. Hein. Ok, on va commencer par là. Assigned to Nadia, qui est hyper stressée aussi. Est-ce qu'à deux, ça va réduire peut-être un petit peu plus vite mon truc? Research complete, d'accord, ok, donc ça c'est cool. Cette recherche là c'était pour la power station, batterie, power switch, wire bridge. C'était pas du tout ce qui m'intéressait dans le truc. Donc là tu vas tout construire de manière continuelle. Et toi aussi, il faut que j'ai deux personnes qui s'occupent de ça tout le temps. En termes de bouffe on est toujours bon. Le stress a l'air de réduire suite à cet achat, si je puis dire. Au passage, je vais avoir besoin d'électricité. D'électricité, d'électricité, d'électricité. Ici. Et ici. Oula, ça c'était pas prévu. Je pensais que ça allait partir sur un trait classique. Hop, voilà. En priorité, bien sûr, maximum. Parce que le stress est le problème actuel. Mais apparemment, je pense, hein, ça c'est mon avis, hein, mais quand on commence à traiter uniquement les problèmes actuels, c'est qu'on n'arrive plus à gérer le bordel général. Donc tout le monde est en train de bouffer. Le stress est remonté. Ah putain. Ok. L'énergie électrique, ça arrive. Quand on aura de la lumière plus de la plante, ça serait cool. Ce serait bien qu'elle arrive, quoi. Ça y est. On devrait pouvoir grandement... Oh la vache. Hassan, c'est pas la forme. Nadia, toi, j'arrête. Mip, arrête, il faudra que ce soit Hassan qui y aille. Vas-y Hassan, vas-y, 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 maintenant avant de crever de... Là j'ai une plante. Là j'ai tout ce qu'il faut, c'est pas possible autrement, on peut pas venir m'emmerder. Voilà, c'est parce qu'il y a encore des gens qui ont chié partout. Ok, qui c'est que j'ai qui est encore trop... Metrodora, 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 tu y vas.
Hop, voilà. Non, pas ici! Mais putain, mais ils viennent gerber juste devant là! Ce qui veut dire que tout va passer partout. Oh, le sac. Je me trompe de truc, c'est ça, ouais. Façon, ce que je peux faire, c'est carrément tout ça. Voire même carrément tout ça. Voilà. Il gère partout. Il gère partout. Il faut augmenter le stress de tout le monde. Insuffisante oxygène génération. Ah bon? Mais non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui, t'as peut-être faim, mais tu vas aller juste te déstresser un gros coup parce que avec tout ce que tu gerbes, je vais pas te laisser bouffer. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oh là 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 là. C'est la dèche. C'est la grosse grosse dèche. Et pendant ce temps-là, tout le monde est en train de laver son truc, du coup tout le monde restresse. Voilà, il a encore pété un truc. Repair. Repair. J'ai plus de batterie du tout en fait. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Putain, mais arrêtez de pisser et de gerber partout, les mecs! C'est l'horreur. C'est la fin des haricots, quoi. C'est. Et Hassan, tu vas aller te déstresser un gros coup, s'il te plaît? Merci. Parce que tu me gères partout, ça me saoule. Oula, attends. Comment ça, t'as plus d'oxygène en haut, toi? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es sérieux là quand tu me dis que ça pompe pas jusque là? Mais cette machine là, attends. No power. Il serait peut-être temps de. Oh, c'est la fin des haricots, chers amis. En plus, le jeu veut pas que je. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est la fin des haricots. Je rêve, elle vient de passer du temps rien que pour tout casser. Oh nom de Dieu. Oh là là, ça pue, chers amis, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Vite, de l'énergie. Oui, je me doute, hein. Les nids arrêtent de bouffer. Eux, ils sont en train de suffoquer, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? Oh là 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 là, j'aurais peut-être dû prendre la personne en plus. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oh là là, ça pue! En termes d'oxygène, est-ce que ça remonte? Apparemment. Qui c'est qui est stressé à... C'est Hassan! Hassan et Nadia! Mais c'est ce. Ah non, c'est Metrodora celle-là. Metrodora, elle en est où? 47%. Tu lâches. Tu lâches, tu lâches, tu lâches le. Lâche la table!
Nadia, voilà. Oui, bah écoute, je veux bien d'une autre personne, parce qu'il va vraiment falloir de quelqu'un qui... qui soit... Ah non, je veux pas plus d'oxygène. Bah vas-y. Vas-y, j'ai besoin d'un mec qui nettoie, donc... Là, la priorité, c'est de nettoyer toute cette saloperie. Alors, nettoie. Honnêtement, nettoie. Alors, apparemment, j'ai rien dans mon research center. Si, j'ai pas fini ça. J'ai pas fini ça encore. Après, ce sera ça. Hein. D'accord, donc là, en fait, il veut pas m'en faire. D'accord, c'est cool. Hassan, tu descends en termes de... D'accord. En termes d'oxygène, c'est toujours moyen en haut. Hein. Je veux pas dire, mais... Apparemment, le stress redescend pour certains. Donc, Yvette est pas stressée du tout. Par contre, apparemment, ça a l'air d'être nettoyé partout. Je voulais regarder s'il n'y a pas un truc par rapport au liquide, mais apparemment non. Le stress redescend. Le stress redescend. Hassan, t'as 76 de stress, c'est très très bon signe. Par contre, maintenant, on a un problème d'oxygène. Pouah ! Qui va revenir, du coup. C'est ça ? Apparemment, c'est plus ou moins ça. Il va me falloir des gens aussi pour aller mop là-haut, là. Sinon, j'ai un gros souci d'oxygène parce que j'ai sur nous plus d'algues. J'ai plus d'énergie ici. Ok. Alors des gens qui sont prêts à courir, hein. Ça c'est clair. Parce que j'ai plus de piles. Sauf que en power, je peux construire ceci. Je construis complètement au pif, chers amis, ce que je fais quand même, hein. Je veux pas dire, mais construisez ça, s'il vous plaît. Map et Lenny. J'ai dit map, mais ça doit être MIP, non? MIP et Lenny. Allons-y, il faut qu'on réduise tout au minimum. Ok. Il devrait être sur le... Voilà. Bon, c'est nauséabond dans le coin ou contaminé de water... Encore ? Qui c'est qui s'est encore pissé dessus, là ? Voilà. C'est compliqué, hein, parce que... Il y a vraiment de plus en plus de problèmes. Hassan et Ellie... Ah merde, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu me chies? Non. En fait, les problèmes commencent à arriver en grand nombre. Et plus je les fais nettoyer, par exemple, plus... plus ils stressent. Est-ce que j'ai une recherche actuelle? Ça qu'il me faudrait pour le moment. Les deux sont en recherche, c'est bon. Ok. En termes d'oxygène, j'en suis comment? J'ai connu pire, comme on dit. Oui, je sais que vous voulez du décor, hein, mais pour l'instant, c'est pas prévu.
Répare-moi cette batterie. Répare-moi cette batterie. Lenny, en termes de stress, t'en es où? 52%? Je vais devoir te demander de changer. Avec Ellie. Qui c'est qui a encore... Oh, pas encore! Putain, ils sont dégueulasses les miens. Ils sont absolument dégueulasses. Stressez pas les mecs, hein, on va y arriver, on va survivre. Fouh! Ils ont pas d'oxygène en haut. Hein. Ça c'est la dèche. C'est la grosse grosse dèche. Si je le mets plutôt là, je peux pas le mettre là forcément. On va faire ça comme ça, on verra bien. De toute façon il va être automatiquement sur le truc. Du coup ce sera bon. Ce sera bon, ce sera bon. Qui c'est qui est trop stressé? Nadia. Bah écoute, Nadia, je te mets là. Oh là 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 là. Oui, bah t'es marrant, mais pour décorer, faudra d'abord que j'ai autre chose à foutre. Là, pour l'instant, je résous tous les problèmes et c'est vraiment compliqué. Voilà. Allez, oxygène, remonte. Par contre, du coup, je vais redevenir en manque de... comment ça s'appelle, de... Merde. De comment, d'algues. Donc, creuser. Crac. 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 Voilà, faudra qu'ils aillent faire ça aussi. Donc est-ce que le stress redescend? Mip. Là j'ai Hassan et Nadia. Qui sont très très bas, enfin qui commencent à être de plus en plus bas en termes de... Alors est-ce que j'ai pas... Est-ce que je peux pas leur donner de la bouffe qui réduira leur stress? Non. Ça n'existe pas. Hop, on peut en remettre à fabriquer. No power. Comment ça, no power? D'accord, mes batteries sont trop petites. C'est ça? Tous les coups, c'est ça. Ok. Parce que c'est bien de le consommer, mais en fait, si je peux plus le... Copper. Allez, là non plus j'ai pas de coal. J'ai plus de coal ici. Donc faudra vraiment que je les fasse courir finalement. L'oxygène, ça remonte petit à petit. Ici il y a personne. C'est Mip qui devrait y aller. Désolé, ce sera à Mip d'y aller. Oh non, pas encore. Ça continue de gerber partout. Quelle horreur. C'est absolument dégueulasse. Priorité 8. Ça. L'oxygène. Ça remonte en haut, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
suis en train de réfléchir à comment je pourrais gérer l'oxygène sur le très long terme, mais je peux pas. La seule chose que je pourrais faire, c'est l'eau. Ah si, je crois que j'ai un truc pour recycler l'eau dégueulasse. Ah par contre ça aspire l'eau dégueulasse. C'est ça? Comment je fais pour replacer l'eau? Parce que l'eau dégueulasse, je vais en avoir un paquet dans... dans les liquides. Est-ce que je store les liquides, cela dit? Apparemment non. Donc qu'est-ce que je fais finalement de ces liquides? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'il y aurait peut-être un intérêt à les faire vomir en fait. Quand ils pensent. Dit comme ça peut être un peu débile mais... Je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées, chers amis? Dites-les moi dans les coms. Je serais ravi d'avoir votre avis. Est-ce que tu veux bien t'occuper du nettoyage de cette zone? Merci. Hop. Ah, donc attendez, ils ont plus rien à faire ici. Ok. Donc on va bosser là-dedans. Normalement, il va se remettre à bosser celui-là. Et ensuite, il faudra que je donne une priorité. Une fois qu'ils auront mis l'énergie en marche, faudra que je donne une priorité à tout le reste. Allez, les filles, on y va! Ça y est, ça charge. Elle charge. Ok, cool. C'est bien plus compliqué que prévu, mais ça se fait. Ça se fait tout seul. Ici, Yvette, Nadia, Ellie. Donc, Nadia, je suis désolé, j'envoie Ellie à ta place. Il faut qu'elle déstresse. Crac, ça c'est qui? C'est Mip. Mip, t'en es où? Mip, Mip, Mip. T'es à 57%, on peut te laisser descendre un petit peu encore. En termes de bouffe, ça y va. En termes d'énergie, ça y va. Maintenant, je donne la priorité à ceci. Priorité 9. À la découverte de nouveaux endroits. Allez. Allez, 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 allez. Surtout à la récupération d'algues. C'est quand même extrêmement complexe. Je ne veux pas dire, mais finalement, c'est extrêmement complexe. Extrêmement prenant, hein. Mais extrêmement complexe. Je ne sais pas si... il y a un quelconque intérêt à... faire des pièces. Puisque même si c'est visuellement intéressant et surtout organisateur au niveau de la création de la truc, de la base, je ne sais pas si véritablement il y a un intérêt. Et je pense qu'il y a un gros intérêt à garder que 3 personnages au tout début. Pendant très très longtemps. Parce qu'ils consomment beaucoup moins d'oxygène. Et là, moi, j'ai plein de personnages, j'ai 8 personnages, et ça consomme énormément d'oxygène. Et donc, bah... de plus en plus de choses aussi. Je pense que rester à 3 permet de bien... bien garder un petit... Alors, ça, certes, c'est très très lent au niveau de l'évolution. Mais on garde un rythme qui est très intéressant. Gabriel, qui est en stress total. Pour une raison que je ne comprends pas. Ellie, t'en es où? Ellie, 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 elle est à 54. Mip, tu es à 38. J'envoie Gabriel, qui est un garçon. Donc lui, il bosse, c'est parfait. Les batteries sont full charge, tout est full charge, c'est bon.
C'est une bonne chose en soi. Ok, en termes de bouffe. Ok, on va faire ça comme ça. Ok. C'est pas ce qu'il y a de prévu pour là. C'est pas ce qu'il y a de comment de nécessaire au, à l'instant T. Mais c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. En fait, j'ai l'impression que plus ils sont stressés, plus le stress monte vite. Si vous voyez ce que je veux dire. En termes d'oxygène, on est bon, hein. On est d'accord, hein. On est bon, tout est relatif. Donc on a fini la recherche. On a fini la recherche. Donc là où les gens passent du temps, on va mettre de la lumière. Ça va être nécessaire. Il va falloir que je vienne la brancher, j'imagine. Hein. Mais de toute façon, pour l'instant, on va... Donc c'est quoi qu'on trouve là? Du granit. Crac. En termes de stress, Hassan est remonté à 55, Gabriel est à 48. On va laisser bosser ça comme ça pour l'instant. Hassan remonte à 56. J'aimerais comprendre pourquoi il... Il n'y a rien à laver pourtant. Peut-être le bordel tout autour. On va prendre Neil. On verra bien. No research selected, c'est pas bon. Ça. On va mettre ça pour le moment. Il y a des sales odeurs partout, c'est chaud. Il y a d'ailleurs des choses qui puent quelque part parce que contaminer le water, 16 kilos. Voilà. Donc ça pue du cul. Dans l'organique. Contaminer. Ah d'accord, ça doit être ça. Donc attendez, parce que je sais que normalement quelque part ici je devrais avoir un truc, voilà. Alors où est-ce que je vais pouvoir le mettre, ça c'est une autre question. Voilà, ici on va mettre là, on verra bien. Même si l'air a l'air plus nauséabond par là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et j'ai peut-être plus d'algae au passage. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Manual airlock, ok. Plumbing. Shower, ça pourrait être intéressant. Pas pour l'instant, parce que ça prend trop de choses. Ok, ça c'est pour éviter d'être malade, d'accord. Pour l'instant la maladie c'est pas véritablement ce qui me pose le plus de problèmes.
Alors j'aimerais voir où est-ce qu'est l'algue. Limite, je vais déprioritiser tout ça. À 5. Je vais leur dire d'aller faire le reste en dessous. On va y aller étape par étape. Ça peut être plus simple de le faire comme ça. Donc en termes de stress, on a Hassan qui est à 55. Donc on va le donner à Hassan, ça. On a Neil et Gabriele, d'accord, qui sont, et Ellie qui sont très très bas. Du coup, on peut mettre Metro Dora ici. Comme ça, elle va prendre un petit peu de bon temps et ça va lui faire du bien. Oui, alors ça c'est inutile, je viens de le remarquer que maintenant, mais c'est inutile. Au passage. Ici, ça pourrait très bien aller. Ok. On va attendre qu'il travaille un petit peu là-dessus, parce que là, au niveau de la construction, j'aimerais bien donner de la priorité un petit peu à tout ça. Voilà. Faudrait qu'il s'en occupe. Ah la vache, ça prend l'obsidienne. Bon, ça va, j'ai quelques kilos d'obsidienne sur moi. Ça devrait être faisable. No research selected, faut que je regarde. Faut vraiment que je regarde. D'accord. Je sais pas qu'est-ce qui serait le plus important maintenant. C'est vrai que je me sers pas du tout des gaz en règle générale. Je vais mettre ça pour le moment. En termes de température d'ailleurs, ça se passe comment? Ouais, c'est chaud par là, mais c'est pas... D'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont tous en grosse session de rangement. On en est où? On est à 38 minutes. Putain, là-bas, je vois pas le temps passer. Je vois pas le temps passer. Bon, c'est pas du tout organisé, mon affaire. Je veux pas dire, mais... Tous mes lits sont occupés déjà, c'est déjà ça. Hassan, t'es entre de bonnes mains, littéralement. Ouais, je sais pas. Ils ont toujours pas commencé à faire les... Crac, tant pis, hein, je vais mettre une priorité max. Hein. Faut absolument que ça réduise le stress au maximum. Au moins pendant qu'ils dorment. Ok, en tout cas le stress redevient normal. Prioritisé, on va mettre ça à 9 maintenant. Seulement pour cette partie là. Crac, voilà. Ça c'est quoi? C'est de... Ouais, c'est de la roche normale. Ça c'est du coal, ça peut être intéressant aussi. Ouais, ouais, ouais. Eh bien écoutez chers amis, du coup nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.